Je vais vous présenter un logiciel de capture vidéo très utile, notamment pour réaliser des tutoriels. Donc ce logiciel s'appelle Début Vidéo Capture. Donc on le trouve directement sur Google, c'est un freeware. Donc Début Vidéo Capture. Donc on peut trouver par exemple ici sur le site Comment ça marche. Voilà, il suffit de le télécharger puis de l'installer. On obtiendra donc une fenêtre comme ceci. Donc ceci est la fenêtre par défaut du logiciel de capture vidéo. Donc il dispose de diverses options, notamment l'option d'utiliser une webcam. Donc là j'utilise l'option screen qui consiste à filmer, à enregistrer tout ce qui se passe sur l'écran actuellement. Donc pour ce faire, il n'y a quasiment aucune configuration. Il suffit tout d'abord de sélectionner le mode d'enregistrement, donc sous quelle forme le fichier va être enregistré. Ici j'ai choisi un fichier AVI, on peut également choisir un fichier Windows Media Video, et d'appuyer ensuite sur le bouton enregistrer pour enregistrer tout ce qui se passe sur l'écran, tout ce que vous faites. Lorsqu'on termine en cliquant sur le bouton stop, cela va enregistrer automatiquement la vidéo dans un dossier. Donc pour retrouver où se trouvera cette vidéo, on va chercher dans les options. Donc là je peux pas le faire parce que ça terminerait la vidéo, mais à l'intérieur on peut voir les dossiers où seront stockées les vidéos. Donc il y a d'autres options qui peuvent être intéressantes, notamment ici cette dernière icône permet de sélectionner la zone de l'écran dans laquelle on va effectuer la capture vidéo, pour par exemple, comme j'ai fait ici, masquer ma barre du menu démarrer qui n'est pas utile. Donc à la fin on obtiendra une vidéo ici au format .avi. Donc ça c'était la première partie. Ensuite pour la modification de cette vidéo, si on veut par exemple la recouper, ajouter des sous-titres ou autre, on peut utiliser un logiciel comme Windows Movie Maker, donc logiciel gratuit sous Windows. Donc pareil, Windows Movie Maker. Donc ici aussi on l'a sur le site Comment ça marche. Voilà, et on peut le télécharger gratuitement, il n'est pas très lourd. Donc ensuite, lorsqu'on l'a téléchargé et installé, on peut l'utiliser. Donc là, je vais faire une démonstration, Windows Movie Maker. Donc il est également très simple d'utilisation. Donc ici, on a plusieurs fenêtres. Tout d'abord, la fenêtre, on va dire, dead à gauche. Au milieu, ce sera la fenêtre où on va avoir toutes nos vidéos. À droite, un exemple de la vidéo. Et en dessous ici on va pouvoir mettre chronologiquement toutes les vidéos qui nous intéressent et effectuer des transitions. Donc je vais faire un exemple, ici on va faire importer la vidéo. Donc je vais importer une de mes vidéos, par exemple celle-ci. Voilà, et je vais également importer une autre vidéo. Là, par exemple, la vidéo 3. Voilà. Alors, est-ce qu'on a toutes les vidéos? Non, on les fait une par une alors. Donc lorsqu'on a une vidéo et qu'on peut la mettre, notre vidéo finale en fait ce sera ce qui est présent en bas. Donc on peut par exemple prendre la vidéo 3 ici et je vais la mettre ici, ce sera le début de ma vidéo finale. Et je peux également importer donc ma vidéo 4, ce qui se fera après. Voilà, et je peux insérer ma vidéo 4 qui sera par exemple à la suite de la vidéo 3. Donc après, très simplement, on peut ajouter des transitions.
ici on peut effectuer une transition. Donc si j'ai fait afficher transition vidéo, le logiciel m'en propose par défaut quelques-unes, par exemple diagonale extérieure droite, il suffit de la disposer ici. Donc ça c'est, on peut également ajouter du son ou de la musique. Donc là je vais pas le faire dans cet exemple. Et lorsqu'on a terminé, on peut enregistrer sur mon ordinateur cette vidéo qui sera une vidéo qui sera la vidéo en fait qu'on voit en bas. Donc un dernier point que j'ai pas précisé, c'est la possibilité, lorsque je mets une vidéo ici, de découper. Donc si j'enlève le son, non, je peux pas. Donc je peux me placer à n'importe quel endroit de la vidéo, par exemple ici. Et si pour une raison X ou Y je veux couper ici, je coupe la vidéo. Et voilà, elle est séparée ici en première partie, deuxième partie. Je peux en supprimer une ou je peux faire une transition, faire ce que je veux. Donc logiciel très simple pour réaliser les tutoriels assez rapides. Voilà, donc là c'est qu'un exemple, donc non, et voilà.